live annonçant toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va jouer à Resident Evil 4 Wii Edition. On va pas faire un speedrun. Pourquoi j'ai dit un speedrun? Non, en ce moment, c'est Halloween, etc. Je me suis dit, pourquoi pas jouer à Resident Evil 4, hein, vu que y a le 7 qui est sorti. Du coup, il y a le 8 qui va sortir et je peux pas y jouer. En vrai, j'ai pas le moyen de m'acheter une PlayStation 5. Et c'est parti, on va y jouer. Hein. On va jouer en normal, vu que... On va être normal, enfin, on joue en normal, puisqu'on n'est pas des noobs ici, de cet endroit. On va skipper la cinématique. Alors là, c'est sur Wii, enfin, normalement. Ouais. Ok. Attendez, je vais vraiment éteindre la lumière, parce que sinon on verra rien du tout. Attendez, 2 minutes. Bah voilà, la qualité est un peu plus potable. Comment... Ah oui, j'ai couru avec Z. Ok, là on tire. Là, appuyer sur A, je pense que ça peut tirer. J'aurais d'explorer avant d'aller là. Les vieilles camionnettes bloquent le passage. Elle appartient peut-être à l'un des habitants du village. Ok. Bon, j'avais déjà une sauvegarde, mais... Je me suis dit, allez, faisons une vidéo. C'est dans le noir total, je crois rien. Ok, attendez. Est-ce qu'il est là? On peut regarder toutes les cinématiques. Okay, donc je vais l'éclater. Ah, c'est le camion de tout à l'heure? Alors je précise que c'est un jeu d'horreur au cas où si vous ne connaissez pas. Attendez, oh il y a les lumières du sensor bar. On va voir s'il n'y a pas des choses en haut. Oh cool, des munitions de pistolet. Il y a vraiment... Sortir. Oh cool. Bon moi je ne veux pas gaspiller les munitions au cas où s'il va se passer un truc. C'est quoi cet endroit? Une boîte en bois et pas... Attendez. Une boîte en bas, elle n'a pas l'air très solide. Ah ok, le mouvement c'est pour prendre enfin, c'est pas le couteau. Okay. Oh, ça me fait peur. Oh. Après Scary Butcher, hein, qui était un peu flippant, faut l'avouer. Attendez, il y a un chien là. Alors, soit je tire dessus, soit je l'aide, ok? Bon allez, on va l'aider, on est sympa. Attendez, je vais un peu dézoomer parce que c'est... Ah ouais, on voit rien. La prochaine fois, je prendrai une meilleure caméra pour une meilleure résolution. Parce que c'est vraiment pas très joli. Ils sont vraiment bêtes, hein, ils ont pas de cerveau. Hein. Parce que bon, lui, je esquive. On n'a pas un fusil à pompe. On avait dans le 3. Ah non. On a une herbe. L'herbe ça sert à... Enfin, on les mange quoi. Là, on la mange l'herbe. Enfin voilà. Moi j'ai pas joué à la version PS2 et GameCube. C'est la version Wii. C'est mon pointeur ça. Oh vas-y c'est ça en fait. C'est mon pointeur. Allez, allez. Bon restons un peu sérieux 2 minutes. On va aller vérifier ces petits endroits. Il m'a fait sursauter, j'ai eu. Il est mort. Je pars au cas où il pourrait potentiellement se réveiller parce que. Ok. Pour l'instant, on part sur un gameplay normal, pour l'instant. On va skipper ça, parce que les cinématiques, voilà. Manuel du jeu... recharger. Oh, mais c'est bon signe. Donner un coup de pied, ça je sais. Changer d'écran, ça je sais pas du tout. Attendez. Ah, ok. Objet et clé.
C'est-à-dire qu'on aura des clés à ramasser et des objets. Ah, c'est les habitants. Ok, là, c'est les habitants. Un poulet. J'ai un peu monté le son. Si j'ai la télécommande. Ah, voilà, la télécommande. On monte un peu. Les graphismes sont pas mal, hein. Oh non. C'est même pas une rage. Attendez, mais si je vais, si je m'approche, c'est un énorme fail, je suis tombé. J'ai même pas ragé en plus. J'ai juste fait tomber ma Wiimote sans faire exprès. Attendez, mais. Je comprends même pas ce qu'ils disent, je comprends pas. Je peux tirer sur le poulet. Oh, puis je peux tirer sur le poulet. Je vais faire repérer. Ok, ils m'ont vu. Bah, désolé, hein, et je voulais pas. Ça me voit. Ok. Super une... ouais, super une tronçonneuse. Attendez, on va. Oh, il y a le fusil à pompe, trop bien! Allez! Ok, la tronçonneuse. Alors, on va dire. On va. Par sécurité, on va déjà utiliser le fusil à pompe. Attendez. On voit rien du tout quand il y a l'écran noir. C'est terrible. Attendez. On va d'abord éclater sur la tête. Les habitants. Fou. Ils ont des problèmes. Attends, je recharge. Headshot. Bon bah super, mais je suis coupé la tête, hein. Et en vrai, ils ont dit que le jeu était quand même plus 18, hein. Et moi, j'ai acheté ça 10 euros d'occasion. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai un point pour lui. Je veux pas sortir, je veux pas me prendre un coup de tronçonneuse dans la tête. Je veux pas. Pas de tronçonneuse. J'aurais bien à prendre le speedrun du. Coup de pied. Coup de pied. Oh, le coup de pied, ça fait pas grand dégât. Attendez. Est-ce que j'ai besoin de l'herbe? On va essayer de faire plusieurs parties. J'espère que les vidéos seront assez bonnes. Hein. Bah heureusement, j'ai pris le pompe. Hein, sinon, je me serais éclaté par la tronçonneuse. Hein. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Hop. Ok, si hâte. Laisse-moi prendre les munitions. Je prends les munitions. On peut tirer sur le poulet. Ah ouais, je crois qu'on peut tirer sur le poulet. Mais c'est pas super. Hein. Oh non, j'aurais dû gagner. Attends 2 minutes. Je suis full munitions pour le petit pistolet. Est-ce qu'on peut te taper au couteau? Et t'as déjà mort? On a un petit coup de couteau, il est mort. Beau headshot, hein, beau headshot. Il est où le tronçonneuse? Il est où le tronçonneuse? Elle est où la tronçonneuse? Je sais pas où est-ce qu'elle est.
Mais vous êtes sérieux? Mais il a rien du tout. Je lui ai donné plein de coups de tronçonneuse à la figure et à... Oh non, des munitions. Oh, j'en veux bien les munitions. Attendez, on va pas lui donner un coup de pied sinon, soit je me fais avoir par la tronçonneuse. Bah, j'ai fait n'importe quoi, hein. Alors, normal, le jeu, il n'a rien à voir, hein. J'ai testé en easy, hein, mais moi... Attendez, je vais vraiment pas lui faire tomber la caméra à ce moment-là. J'ai vu la tronçonneuse. Elle était juste devant moi, j'ai vu. Il est derrière moi! Oh non, pourquoi je suis sorti? Mais maintenant j'ai peur maintenant! Allez, écoutez, on va passer par là, hein. Je suis sûr qu'il faut que je passe par là. Allez, on est libre, une porte! C'est bloqué, ils doivent pousser de l'autre côté. On va se cacher, attendez. On va se réfugier ici. Ça me paraît pas mal ici. Il m'a fait. Cette vidéo, hein. Mais j'ai eu peur, hein.